Giuseppe, moi c'est clair. C'est moi Giuseppe, putain bordélique. Lucifer me touche, me diabolise. Je vais faire pondre les vrais six kicks. 200 kills dans le golfeur. Salut Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va piéger un escroc sur le bon coin. Alors, je sais que vous en avez vu déjà 3 épisodes sur ma chaîne, mais là, j'étais obligé de le faire parce que je suis tombé sur une annonce qui est vraiment majestueuse. En naviguant un peu sur le bon coin, je suis tombé sur quelqu'un qui vend un iPhone 11 en avance, c'est-à-dire avant la sortie officielle. Donc là, aujourd'hui, on est le 15 et la sortie officielle de l'iPhone 11 est le 20. Donc personne n'a cet iPhone, ni dans les magasins, ni quelqu'un de notre entourage. Mais pourtant, une annonce sur le bon coin dit bien que quelqu'un a cet iPhone et qu'en plus, il le vend 300€, accrochez-vous bien. Donc, étant persuadé que cette personne veut nous escroquer et qu'en plus ment, je vais le prendre pour un con en le payant avec des billets de Monopoly. Et je vais lui demander s'il prend la carte bleue. Voilà, carte bleue de Monopoly. Hein, bien sûr qu'il est une fausse carte bleue. Et bon visionnage à vous. Et on se retrouve à la fin, comme d'habitude, pour une petite conclusion. Ciao. Hop, 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 hop. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à aller te rendre sur la chaîne de mon caméraman qui s'est lancé dans les interviews de sport, que ce soit le tennis, le foot, etc. Ça s'appelle Profil Sport, il y a des reportages sportifs, des interviews. Donc si tu veux regarder des interviews ou des reportages, n'hésite pas à aller sur ta chaîne et à aller t'abonner, le lien est dans la description. Et si par la suite tu veux faire des paris sportifs, n'hésite pas à rajouter Trillionnaire Prono sur son Snapchat. Bon les amis, petite réaction à chaud, hein, pour vous montrer que c'est pas du pipeau. Trillionnaire Prono, il a mis un pari là sur Snapchat. Eh frérot, c'est rentré, hein. Là j'ai suivi un pari de Trillionnaire, je me suis dit bah tiens, je vais en faire une vidéo pour montrer ce que j'ai encaissé grâce à lui. Donc s'il y a encore des sceptiques les gars, n'hésitez pas à rajouter Trillionnaire et vous verrez par vous-même. Trillionnaire Prono, c'est le meilleur pronostiqueur franchement. Donc rajoutez-le si vous êtes majeur, et si vous êtes mineur, vous n'avez plus qu'à attendre d'avoir 18 ans pour vous faire du pognon, voilà. Salut Internet, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme je vous l'expliquais dans l'intro, on va tenter de piéger un escroc qui vend un iPhone 11 sur le bon coin. On est dimanche 15 septembre, l'iPhone n'est toujours pas sorti et pourtant il y a déjà des gens qui le mettent en vente. On a déjà pris contact avec lui en off. On va lui donner rendez-vous dans un endroit pas très loin. Je vais faire semblant d'être tout seul et on va voir ce qu'il a à nous proposer. Étant donné qu'on sait que son iPhone est faux et que c'est même pas un iPhone, peut-être que c'est même pas ce que c'est une réplique ou je sais pas ce que c'est. Dans tous les cas, on sait que c'est bidon et on lui a prévu une petite sentence. C'est pour ça que vous devez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la sentence qu'on lui prépare. En attendant, je suis toujours avec mes frérots. Il y a Soso, son Insta s'affiche en bas, vous pouvez le rajouter. Il y a aussi Bâtard, son Insta s'affiche sur sa gueule. Pourquoi? Parce que vous le savez. Il y a aussi Steven, le frangin, son Insta s'affiche en bas. Et Eddie aussi, qui est avec nous depuis pas mal de temps maintenant, et son Insta s'affiche en bas. Vous pouvez le rajouter, ils répondent vraiment à tout le monde. Voilà. Donc là, on va aller sur les lieux. Je vais appeler la personne qui vend l'iPhone 11 qui n'est pas sorti. Et on va voir quand il arrive et on va tout mettre en place pour justement le piéger. C'est parti. Là, je suis sur place. Je vais donner rendez-vous ici. On est au calme. Je vais l'appeler de suite et je vais donner rendez-vous. Donc là, les gars, il arrive. Hein, il est en train de se garer. Donc, cache-toi bien à la caméra. Et moi, je vais l'attendre ici en attendant qu'il vienne, quoi, tout simplement. Bonjour. C'est bon pour le téléphone? Pour l'iPhone? Ouais. L'iPhone 11? C'est ça. Ouais, c'est moi. Bonjour. Ça va, vous allez bien? C'est cool, vous avez des gants? Parce que c'est jamais. Ah d'accord, ouais, c'est sérieux. Quand même. Ouais, c'est, Comment ça se fait déjà que vous avez l'iPhone 11 avant tout le monde? Parce que à la base, on a des téléphones, on les reçoit, c'est des testeurs. Ouais. Ah ouais, pas con. Comme les parfums, genre. Ouais, comme les parfums. Sephora, tout ça. Ouais, bah, c'est les testeurs, du coup, on les reçoit pour les mettre en vitrine. Ouais. Et du coup, j'ai réussi à en sortir deux. Un que j'ai donné à ma mère et un que je revends, du coup. Vous avez mis ça sur le bon coin, tiens. Faut faire attention quand même. Oui, parce qu'après, comme je vous ai dit au téléphone, j'avais pas marqué iPhone 11 sur le bon coin, quoi. Ouais. Ouais. Puis votre numéro, je pense que c'est pas un numéro. Non, c'est une téléphone qu'on achète. C'est pas con. Et du coup, ça, c'est quoi? C'est. Ben, ça, c'est pas la boîte. C'est une boîte d'iPhone 7, ça. Ouais. Ouais, parce que j'ai pas pu sortir la boîte aussi. Vu qu'on les reçoit par tester, on les reçoit par boîte toute fine blanche. D'accord.
Enfin, je peux l'ouvrir pour voir comment... Non, mais après, donnez-moi les sous, et après vous rentrez, vous l'ouvrez, parce que c'est jamais... Non, ça marche pas comme ça, je vais pas prendre un téléphone si je sais pas qu'il marche. C'est... Je suis obligé de... Comme je l'ai dit, après, je travaille chez Apple. Ouais. Mais là, attendez, c'est un peu bizarre. Vous arrivez avec des gants, y a rien pour vous, hein. Vous arrivez avec des gants, une boîte d'iPhone 7, et j'ai pas le droit de toucher le téléphone. Et il faut que je lâche 300. Eh non, eh non. Impossible. Mais ben, dedans, il y a vraiment un téléphone. Et après, ouais, non, ça, regardez, mais... ça marche pas comme ça. Ah ben, ça, c'est si vous n'allez pas partir en courant. Mais ben, quand même, je vais pas... Je vais pas partir en courant. Quelque chose dans ce coulier. Non, je sais pas, vous êtes d'où? Moi, je suis de Castellane. Non, je suis pas du tout dans la ville, moi. Bah après, vous me donnez les billets, et après, vous le voyez. Ouais, si c'est toi qui pars en courant avec les billets. Je te tutoie, du tout, du coup. Si c'est toi qui pars avec les billets. Pourquoi je fais ça? Je sais pas, peut-être qu'il y a pas un iPhone dedans. Mais non, mec, attends, mec. Là, tu es en train de m'énerver un peu. Tu me sors une boîte d'iPhone 7. Dedans, il y a peut-être pas un iPhone 10, un iPhone 11. 11, ouais. Voilà, et alors. Après, lié, c'est à la base, quand on va sur le bon coin, c'est la confiance, hein. Ouais, putain, la confiance, tu me dis. T'aimes pas d'art. Tu sais le nombre d'arnaques qu'il y a sur le bon coin? Ben là, non. Ça te dérange si j'appelle 2-3 collègues qui connaissent bien un iPhone? Mais pourquoi faire? Ben comme ça, ils regardent bien la boîte et tout. Ben la boîte, c'est un iPhone 7, ça sert à rien d'appeler tes collègues. Oui, c'est mais... où tu le veux, tu me donnes l'argent ou maintenant je m'en vais. Non, mais qu'on regarde que l'iPhone. Tu le veux ou pas l'iPhone? Ben bien sûr, sinon je t'aurais pas fait venir. Bien sûr, c'est quoi le problème là? Je comprends pas en fait. Tu me donnes les sous, je te donne l'iPhone, c'est tout. Non, 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 tu es fou. Parce que ma mère, elle est contente, hein. Excuse-moi, pardon. Pardon, non, je te jure, c'est. Et ta mère, elle est contente, d'accord, mais je connais pas ta mère. Il y a 4 générations d'écart et tu me dis que dedans il y a un iPhone. Je sais même pas s'il y a pas une pierre dedans. J'avais un drôle de bruit, mais il y a une petite. Ben c'est normal, ça c'est le truc pour enlever la puce. C'est bon, excellent. Un conseil, mon ami. Comme ça, au moins on est tranquille, tu vois. Appelle un ami, s'il te plaît. Un joker, c'est tout. Après, si c'est bon, c'est bon. Juste un. Joker. Me fais pas venir. Non, non, non. J'appelle un ami et il me dit ok. C'est bizarre quand même, hein. Bah bizarre, je sais pas si c'est toi ou moi qui c'est bizarre. Mais c'est un peu toi quand même, parce que je viens au final, tu as appelé des collègues à toi, je trouve ça bizarre un peu. Moi je suis pas là pour vous les cuire. Après toi, moi tu me donnes pas les sous, après moi tu te verras pas, je te le dis. Mais non, mais ben, ça va, ok, pas de problème, c'est... on fait comme ça. Je te donne les sous, tu demandes le téléphone. Non, tu bouges chez toi, normal. Ah ben, c'est ça là. Ça va quoi l'équipe, collègue. Tranquille. Bien, ça va. Tranquille où? Bonjour. Steven. Oh, le sang. Ça va quoi? Comment tu as les gants? Il a des gants. Il dit ça va. Il me dit qu'il a des gants parce qu'il travaille chez Apple, ouais. Et que ça crème pour les empreintes. Tu captes? Parce que là, en plus, l'Apple, l'iPhone il est pas sorti, ouais. Et quand on va sortir la vidéo, il sera pas toujours pas sorti non plus. Ah c'est de là où je te connais, toi, tu fais des vidéos, toi. Ouais, je fais des vidéos sur internet, ouais. Camoff, c'est. C'est de là, ouais. Ouais. Je suis en train de faire une vidéo, là. Non, non, je suis pas en train de faire une vidéo. Tu jures, pas. Si c'est pour faire une vidéo. Non, non, je parlais d'une vidéo. Non, non, je parlais d'une autre vidéo de. Non, non, rien à voir, je sais pas. Du coup, c'est combien l'iPhone? Qu'est-ce que je fais, les gars? Je le prends ou je le prends pas? Déjà, c'est bizarre, vais la boîte. Vais la boîte. Non, mais il veut pas qu'on prenne la boîte. Là, il me donne les sous et après tu pourras toucher. Moi je te donne 1700, 2000. Tiens, 1700 euros de bénéfice. Mais tiens, cap. Je te l'ai fait. Comme ça, j'ai l'iPhone. Mais va te faire une petite partie de Monopoly vers là-bas. Et l'iPhone, tu l'oublies, tiens, fou. Toi. Attends, tu me donnes 300, je donne 1700. Tiens, fou, le voyage. Mais non, mais. Bah, alors, tu sais ce qu'on fait? Non, pas non, vu, non, non. Tu sais ce qu'on fait? Est-ce que tu prends la carte bleue? Non, je prends pas. J'ai la carte bleue sinon. J'ai la carte bleue Monopoly. Tu veux ou pas? Non, non. Mais comment non? Non, tu me sors vraiment 300 euros, je te le sors. Bon, mais... Attends, tu vas me dire vraiment la vérité, sinon c'est nous qu'on va te sortir. Vas-y, non, on voit la vérité sur l'iPhone. Sur l'iPhone. Non, l'iPhone. Là, on est 5 contre toi. Montre juste le téléphone, on te le prendra pas. Bon, on est en train de faire une vidéo, viens s'il te plaît. Personne, tu fais une vidéo, me mets pas sur internet. Ah ben, tu n'as pas le choix. Je vais te faire plainte. On montre déjà. C'est nous qui avons porté plainte, gros, c'est par toi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Mais parce que c'est une arnaque, très gros. Ah, moi je passais par là, c'est toi d'un coup tu m'as parlé. Ah ouais? Ne joue pas avec ça, en vrai c'est mort. Ouais. Voilà, donc fais voir le téléphone. Enfin, moi j'ai rien montré. Écoute! Soit tu montes le téléphone, soit on va au commissariat avec les images maintenant. Si c'est vrai, voilà. Je te jure que si dedans il y a un iPhone 11, je te promets que frère, la vidéo on la sort pas, on va pas au commissariat et tu sais quoi, je m'excuse. Je te laisse le téléphone et je te donne 300 euros, gratuit. Je l'ouvre! L'iPhone X rentre pas dans la boîte déjà. Je l'ouvre. Bah, tu sais quoi, je te le donne? Non, 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 on va l'ouvrir devant tes yeux. Il est chelou lui. Bon, jusqu'à là, ça va. Rien d'anormal. Jusqu'à là, rien d'anormal. Ça va. Déjà, je sais même pas s'il n'y a pas de contrôle. Jusqu'à là, bon, il n'y a pas les papiers dedans. Il a même le autocollant, tiens, ça, je le prends pour moi. Merci.